Bonjour à tous, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soluce. Et cette soluce, ça va vous permettre d'aller chercher le masque Korogu. Alors, le masque Korogu était déjà dans Breath of the Wild, hein, vous savez, si vous y avez joué, c'est ce masque qui se met à remuer, qui est tout mignon lorsque un Korogu est à proximité. Alors, il va se trouver dans les profondeurs. Alors, je vous montre un peu, évidemment. Dans la forêt Korogu, hein. Alors vous pouvez partir d'ici, sauter dans cet abîme, et le but va être de se rendre là. Et dans cette espèce de colisée. Donc, soit vous arrivez, voilà, de cet abîme-là. Voilà, vous partez des points que vous avez, hein. J'essaie de vous montrer un peu. Ah, c'est pas évident par rapport à votre progression. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore ouvert toute la map, je ne peux que vous conseiller d'aller voir la soluce que j'ai faite sur justement sur ça, pour ouvrir toute la map des profondeurs en quelques heures. C'est hyper rapide. Parce que le faire à pied, moi j'avais commencé à le faire à pied, hein. Voilà, c'est super long, donc voilà, allez voir ma soluce qui va vous permettre de l'ouvrir rapidement. Et pareil, si vous voulez entrer dans la forêt Korogu, vous n'avez pas encore réussi à entrer dans la forêt Korogu parce que vous voulez aller faire les fameux sanctuaires, n'hésitez pas non plus à aller voir la soluce que j'ai fait à ce sujet. Donc allez, moi je vais me TP au plus près, hein, parce que je vais pas m'imposer trajet pour rien. Alors, je vais mettre ma tenue des ténèbres. Si je ne l'utilise pas lorsqu'on est là, je ne vois pas trop quand est-ce que je l'utiliserai. Ma tenue anti-miasme. Alors voilà, les quatre cœurs sont grisés parce que ben, je l'ai utilisé et reviennent petit à petit. Allez, on y va. En direction le Coliseum. On va escalader. Vous savez très bien, hein, dans les profondeurs, c'est rien n'est simple, hein. De manière générale, la progression dans Tears of the Kingdom, je trouve, n'est pas facile. Par exemple, les grottes ne sont pas forcément toujours à côté d'un sanctuaire. On sent clairement qu'on est poussé. À voyager, hein. Et à faire des constructions. Ce que je ne cesse de répéter dans les vidéos n'est vraiment, vraiment pas mon truc. Moi, je vais faire des trucs basiques. Je vais pas m'amuser à faire des grosses constructions. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui s'amusaient à faire des constructions un peu. Faire des pénis en construction. Oui, c'est hyper marrant. C'est très, très drôle. Par contre, vous savez que Nintendo, là-dessus, ils rigolent pas. Donc quand Nintendo laisse, d'ailleurs je crois que c'est pas sur un, c'est sur un Maker qui Mario Maker qu'ils avaient donc des gens pareil s'amusaient à faire des petites conneries là, ça fait rire tout le monde, on fait sa vidéo, on fait des vues, on est content, on prend de l'argent. Sauf qu'après Nintendo, quand ils te laissent de la liberté, que t'en fais n'importe quoi, ils vont y réfléchir à deux fois. Donc oui, c'est très très drôle, vous avez fait vos pénis, vous avez construit vos pénis là, c'est vachement marrant. Mais bref. Faudra pas se plaindre après si Nintendo nous laisse moins de liberté. Voilà, c'était mon petit. Pose pas un coup de gueule, hein, c'est mon petit avis au passage. J'en profite, ça n'engage que moi, mais je trouve pas ça hyper marrant de faire ça. Après, Nintendo se disent non, ben, on leur a laissé la liberté de construire des choses et tout ce qu'ils ont trouvé à faire. Au lieu de faire des trucs sympas, ils ont fait un grand bonhomme avec
Un pénis qui jette de l'eau. Waouh! Donc on va plus leur laisser la liberté. Réfléchissez-y, hein. Moi je dis ça comme ça, mais croyez-moi, c'est la vérité. Donc voilà. Maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire sur les constructions de certains, on va se retrouver dans cet amphithéâtre. À chaque fois qu'on va dans un amphithéâtre, à chaque fois qu'il y a une tenue à aller chercher dans un amphithéâtre, tous les amphithéâtres de manière générale, il y a un monstre. Donc le dragon au-dessus, en dessous, il y a Sentinelle, enfin, je fais des vidéos là-dessus, il y a toujours un mob. Allez. Donc là, on voit des bananes, on sait que. Il y a des ygas. J'ai même pas pris à manger. M'énerver de pester contre ceux qui font n'importe quoi. Franchement, dites-vous bien que Nintendo, c'est pas PlayStation, c'est pas Xbox. Ils aiment pas qu'on fasse n'importe quoi avec leurs jeux. Et là-dessus, autant je suis très très critique parfois sur Nintendo, mais autant là-dessus, je suis d'accord. C'est leur image. Faut respecter ça. Allez, encore les ligas. Oui. Linox. D'accord. Alors, j'ai quoi comme arc? C'est mon 20x3. J'ai pas envie qu'il se brise. Aussi, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur comment réparer et améliorer les armes. Parce qu'il n'y a pas que réparer. Hein. Améliorer. J'ai passé mon bouclier il y a de 90 à 94. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, c'est plutôt sympa. Voilà, donc pas plus de difficultés que ça. Hein. Il est plutôt loin, l'inox. On ramasse. Voilà, une petite musique qui va bien. On va mettre notre coco au goût. C'est du pur fan service et on adore ça. Donc voilà, je vous remontre quand même une dernière fois sur la map, au cas où. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez partir d'ici, si ça vous arrange. Vous pouvez aller voir, si vous n'avez pas réussi à rentrer dans la forêt Korogu, n'hésitez pas à aller regarder comment entrer dans la forêt Korogu, la soluce que j'ai faite. Et après, vous partez du plus près, hein, du plus proche. Si vous n'avez pas fait les trois sanctuaires, hein, ce sera celui-là. Et ça se trouvera dans l'amphithéâtre de la forêt. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. À vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle soluce. Bye bye les amis.